Le réseau social Facebook abuse-t-il des données personnelles de ses utilisateurs? Un groupe de 25 000 usagers a déposé un recours collectif au tribunal civil de Vienne. L'affaire est portée par un jeune juriste autrichien. Il reproche notamment aux géants du web de conserver des données pourtant effacées par les internautes et de participer au programme de surveillance des services secrets américains. Il est tout à fait crucial que les données personnelles en ligne soient protégées. Le problème aujourd'hui est qu'on est face à un monopole. Il faut utiliser Facebook, WhatsApp, Apple ou Google si on veut exister sur la toile. En tant qu'utilisateur, le seul choix que j'ai malheureusement, c'est de revendiquer mes droits fondamentaux. L'objectif, c'est de changer les choses en général. S'il ne s'agissait que de moi, tout ce cirque ne vaudrait pas le coup. Les plaignants réclament à Facebook la somme symbolique de 500 euros, mais le plus important pour eux est que le géant du web se mette en conformité avec la réglementation européenne sur la protection des données. Pour les avocats du réseau social, cette affaire est irrecevable.